encore pire en vrai. Je déteste les pieds, putain, je déteste les pieds. C'est incroyable comment je déteste les pieds. Le toucher, il est terrible. C'est horrible, j'arrive même pas à toucher, c'est dégueulasse. J'ai l'impression de toucher un vrai orteil. Tout est trop bien fait. Pourquoi? Pourquoi l'être humain? Pourquoi? On a marché sur la lune et on a fait ça. Non. Ça reste en place. C'est articulé. Non. Ah, il y a les vieux ongles. Les ongles sont réels. Hein. Allez, rassure-toi, Maxime. C'est pour les magasins de tongs. Voilà, c'est ça. C'est pour les magasins de tongs. C'est les gens qui vendent des tongs. Ils savent pas comment exposer. Le pied est posé délicatement en vitrine avec la tongue. Voilà, c'est tout. C'est pour ça. C'est pas pour que les gens mettent leur pied juste ici. C'est pas ça. Je pense que c'est ce qui se rapproche le plus de la peau humaine, tout en restant plastique, bien sûr. Mais ça se rapproche très fortement de la peau humaine. Mais ça a été fait sur un vrai pied. C'est ignoble comme objet. Je peux lire l'avenir de la personne là dans les lignes du pied. C'est choquant. Comment c'est bien fait. Je passe un mauvais moment parce que j'imagine ce que les gens font avec ça. Par contre, tu vas te calmer un petit peu, d'accord? Je me demande ce qu'on va faire aujourd'hui. Attendez, je vais le faire. Je vais préparer ma blague, attention, elle arrive. J'ai une idée. Ok, je vais en faire une autre. Et toi, va bien te faire mettre alors. On dirait pas, mais c'est Spider-Man. C'est raté de ouf. Ce qui me débecte le plus, c'est à quel point les ongles sont bien faits. Et le prix est parfaitement justifié, je veux dire, c'est extrêmement réaliste, mais genre abusé. C'est-à-dire que là, en fait, si on est capable de faire ça avec les pieds, qui est quand même un endroit vachement technique, voilà, il y a les orteils, etc., ça veut dire qu'on est capable aujourd'hui de reproduire un corps humain, en fait. C'est juste une question de prix, mais ça, c'est sûr que ça s'achète niveau corps humain. Ça veut dire qu'une fois que l'intelligence artificielle, elle sera suffisamment performante, on pourra la foutre dans un robot en forme d'humain, il n'y a aucun problème. Les pieds sont déjà prêts, d'accord? L'intelligence artificielle est un des sujets qui fait le plus flipper, parce que ça pourrait détruire l'humanité. Faut faire super gaffe. Et ben, sachez que les pieds de l'intelligence artificielles sont disponibles sur eBay. Un jour, c'est ces pieds-là qui nous foutront des coups de pied au cul. Et ça, ça va traîner à côté des fœtus dans des bocaux. Des gens qui vont venir visiter la Redbox pour une raison X ou Y, un rendez-vous, machin, ils vont voir un pied posé au milieu du couloir avec deux orteils en l'air. Ça, une vision d'horreur. Ça commence à être marrant, cet objet. Mais je mettrai pas ma bite dedans pour autant. Suivant.